Bonjour, nouveau. Attends, vous voyez pas là. Vlog, nouveau vlog. Il est 9h53, je file à la pause. Déposer la deuxième tournée de boxe. Il m'a l'air de faire plutôt beau là. Allez, c'est parti. Ah, je vous ai calé. Je sais pas trop comment, il doit être 14h. Je vous ai laissé tout à l'heure vers 10h30. Donc là, j'ai fait ça à fond, j'ai mangé en 2-2. Et je repars payer. Les envois de ce matin, donc je repars à la poste. Et j'aimerais aussi, ça n'a rien à voir avec le taf, mais là, je sais pas si vous allez voir, par moment, enfin c'est même tout le temps, moi je trouve, mes cheveux, il y a vraiment des reflets cuivrés. C'est vrai que j'aime pas du tout, donc ça m'embête hein, de refaire une patine, un truc comme ça, parce que pour moi la patine, oui, sur le moment ça marche, mais à force de te laver les cheveux, ça va revenir. Donc passer quand même voir la coiffeuse. Elle m'avait dit à l'occasion de repasser. Ouais, je pense que je vais le faire quand même. Voilà, donc ça c'est l'idée, et je sais que j'avais autre chose à faire cet après-midi aussi en vim, je ne sais plus, ça va me revenir certainement. Toi, c'est non, il a débarqué, j'avais complètement zappé, il y a un des articles dans la box là, de septembre, gourmandise, je pensais pas, parce que vu comment c'est emballé, je pensais pas du tout déjà qu'il allait savoir que c'était de la nourriture, tu penses. Et j'avais laissé la porte ouverte, je suis revenue ce matin et il est en train de se lécher les babines. Je me suis dit, oh, il avait tout explosé. Donc il a défoncé pas mal de paquets, il faudra que je recontacte la marque. Voilà, oui, tu peux me regarder là pour qu'ils m'ont réexpédié. Je le saurai, je ne peux pas lui faire confiance, jamais. Et je trouve ça regrettable. Ouais, ouais, fais le mec qui s'en fout, qui regarde en haut. On n'y croit pas du tout. C'est vraiment pas beau de faire ça à sa mère, tu sais. Ouais. Paiement effectué. Et ça m'est revenu ce que je devais faire en ville. Jardiland, chercher pour Jack Litière. Mais surtout, ils ont une partie déco, un peu thématique. Et peut-être qu'ils ont sorti des petites décos automnales. De temps en temps, j'aime bien. Donc je vais voir. Et puis si c'est sympa, bah, évidemment, je vous filmerai. Et sur le retour, bah, j'essaie de passer coiffeur. Bon, déjà, j'ai repéré le chat. Il est au niveau de la caisse dans son panier. J'adore. Salut les amis. T'es mignon toi. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai peu d'espoir. Hein. J'ai bien l'impression que c'est fini cette époque avec la déco. Hein. Ouais, bien sûr, en fait, ça s'est réduit complètement. T'as plus que ça là-bas. Oh, je suis deg, regardez. Je suis étonnée, avant vous aviez de la déco, pas mal. C'est fini. Ah, ça part pas. Parce qu'avant, il y avait des bougies, vous travaillez avec des marques sympas et tout. Bah ouais. Et vous sortez à peu près quand, Noël? Bah en général, on ouvre Noël le 1er novembre. Ok, ça reste raisonnable. Bon, bah bon courage. Merci, merci bien, au revoir. Ouais, je sais pas ce que vous avez entendu, mais bah, elle m'expliquait qu'en fait, bah, ça partait pas. Et bah, ils peuvent pas trop non plus lutter avec la concurrence, les Jiffy, les Actions, les trucs comme ça. Forcément. Eh, mais attends. Ça me revient, c'est ma maman qui m'avait dit que chez Bricomarché, ils avaient sorti une chouette collection là il y a très peu de temps. Et comme bah je suis à côté, on y va? On y va. Alors, il me semble qu'elle m'avait dit c'est par là. Et ils font des cuisines maintenant, c'est super beau je trouve. Combien? 249. La chaise, waouh. Il n'y a pas d'espace dédié en fait, il faut fouiller, il y a un petit peu des éléments partout. Ouais, par exemple là on a tout ce qui est les petits miroirs, les meubles en rotin. Effectivement, tout ça, il n'y avait pas. C'était la mode, ça, il y a 20 ans au moins. Les petits meubles comme ça. Ils sont mignons, les petits Vespa, je trouve. Très mignons. Ils seront en rose. J'adorerais. Elle est belle, celle-là. L'horloge vinyle. C'est original. Je vais pas trop traîner quand même, parce que j'ai quand même du taf. Faut que je passe après au coiffeur. Ouais, c'est vraiment des petits espaces, un peu éparpillés partout. Et là aussi. Ok. Avant, ils avaient Mathilde M. Et c'est vrai que là, ils ont sorti une collection, Mathilde M. Oh, magnifique, magnifique. T'as deux, trois éléments qui m'ont tapé dans l'œil. Je suis à deux doigts. C'est pour ça que je m'étais dit peut-être. Mais non. Mais non. Bon, bah écoute, n'insistons pas. Je rentre. Bonjour. Donc, la responsable qui est aussi ma coiffeuse n'était pas là. J'ai expliqué ma problématique, j'ai montré, tout en disant aussi que mes cheveux étaient pour le coup, ils avaient bien morflé, ils étaient pétés de chez pétés, et que je voulais éventuellement avoir un sérum qu'on puisse mettre le matin, ou alors les fameux sérums de nuit, donc elle m'en a montré un.
un sérum de nuit qui est Rasta, 60 euros, qui est riche. Donc je me suis dit, attends, 60 euros, si c'est pour que moi, ça me graisse et que du coup, ça ne corresponde, ça n'aille pas à mes cheveux, bof, bof. Elle m'a dit que là, il y avait une nouveauté qui était sortie justement, moins riche, mais pareil. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et elle m'a donné trois échantillons. Kérastase, c'est Elixir Ultime. Voilà, c'est une huile optimale. Et elle m'en a donné trois. Je vais commencer dès ce soir. Et surtout, je lui ai dit qu'il ne fallait plus que je fasse cette couleur. Ça ne va pas avec... je vais avoir des pigments qui font que ça ne va pas. Je vais laisser mes cheveux, comme je disais, reposer quelques temps. Tant pis, les racines sont très présente, et après je recommencerai des petites mèches ou alors balayage. Là au moins t'es sûr que ça peut pas virer, quoi, en tout cas. Sinon, parce que vous savez, l'autre fois j'ai ramené le bouquin de chez Maison du Monde et alors je sais pas trop, mais j'ai vu ça. Attends, j'ai mis des encoches avec ça. J'ai vu un luminaire éventuellement pour mettre dans l'entrée. Je le trouvais très beau. Suspension Montmartre. Ah ouais, tu vois déjà. Ah oui, j'avais pas vu le prix. 169. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est celui-ci, vous voyez. Il est très beau. Et le truc, c'est que je l'ai vu en situation. Avec mon... Ah voilà, en encoche. Et pour le coup, là, mis en situation, j'aime moins. Vous voyez là? Ah, je sais peut-être pourquoi. Parce que là, c'est beige et c'est pas blanc, alors que... C'est beige, moi. Ah ouais. Ah non, c'est beige aussi. Ah, tu vois, hein, ça rend pas pareil. Ouais, et vu le prix, je pense pas, quoi. Je trouve que c'est pas ouf, en fait, vu comme ça. Et en fait, dans ce catalogue, j'ai mis des encoches. Il est... Si vous avez la possibilité et qu'il en reste, prenez-le. Il est très beau. Les photos sont magnifiques. Alors là, cette petite maison... J'ai très envie d'y aller. Ah, il y aura peut-être des... Est-ce que vous allez voir? Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je sais pas si ça va bien rendre. Voilà, ça pareil. La photo magnifique. Ce catalogue est très réussi. Vraiment réussi. Ah, il y a une petite encoche ici. Pourquoi? Ah oui, oui. Les photos sont belles, hein. Les photos sont belles. Ça doit être New York, je pense, au fond. Une autre encoche pour... Attention. Ouais, bah voilà, regardez. C'est très beau. Vraiment très beau. Et bah là, moi, je monte. Il est presque 4 heures, ça passe à une vitesse. Je poursuis la prod et j'aimerais tellement avoir fini ce soir. Là, c'est vraiment mon goal. Alors, ça veut dire qu'il faut que je... au taquet, quoi. Mais c'est surtout que je crois qu'Eric, il a des réunions parents-prof. Et ça se trouve, il ne va pas venir avant 19-20 heures. Donc c'est parfait. Comme ça, je vais bosser à fond, là, au moins de 4 heures à 20 heures. Nickel. 19h30, j'arrête. Eric vient de m'appeler, parce que je lui disais, il avait sa réunion. On va s'acheter un petit truc sympathique à manger. Je suis repue. J'ai tous les bordereaux qui sont là et les box, j'ai quasiment terminé. Je suis très contente. Bon, je me dépêche parce qu'il m'a dit qu'il arrivait dans 2 minutes. Et c'est le lendemain matin, je file à la poste. Ça fait un de ces ramdas. En vrai, la machine à laver, elle fait un de ces bordels. Ça va. Ah, ah, elle est en phase descendante là. J'ai tout mis là. Qu'est-ce que c'est? Non, non, maman, elle revient. Par contre, je suis quand même très très contente parce qu'hier, je vous dis, j'ai... Est-ce qu'il y a un bon camion de livraison peut-être? Ouais, j'ai bossé à fond la caisse, donc là, une avance. J'ai rattrapé mon retard en fait. Alors là, il y a un camion qui stationne, qui est peut-être pour moi, mais je dois partir. Et là-haut, j'ai la machine qui m'appelle. Je vais pas trop traîner là, parce que au moment où j'ai mis la clé dans la serrure, ça a sonné la machine. Donc je l'ai étendue, je me suis dit que j'allais être contente en rentrant, c'est sûr. Mais là, il est 10h30 passées. Bon, c'est pas grave en soi, hein. C'est vraiment un ordre d'idée à chaque fois que je leur le donne. Bonjour. Tu me suis dit, elle attend son chariot, non? Oui, exactement, mais c'est le mien. Je galère toujours autant, moi, avec mon chariot, il est blindé. Mon petit loup, il est sage, dis donc. Pas comme hier soir. Parce que oui, hier soir, un deuxième vol manifeste a eu lieu. Je suis dégoûtée, donc toujours... Arrête! Paquet de gâteaux, en fait, j'étais en train de bosser à fond. J'ai eu un coup de téléphone. Dans mon atelier, enfin dans le bureau, ça captait très mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis précipitée, je suis allée dans une autre pièce et j'ai laissé la porte.
Du coup, j'ai envoyé un mail à la marque et j'en ai commandé plusieurs, en espérant que ça traîne pas trop, parce que du coup, certaines box, je peux pas les envoyer. Ce qui veut dire que les toutes dernières box, va falloir que j'attende de recevoir les gourmandises pour les envoyer. Je pense que je vais envoyer un petit mail aux clientes, aux dernières clientes, du coup. Ça se fait pas, ça. Est-ce que je les vole, tes croquettes, moi? La prison pour chat, c'est ça? Ah, bref, allez. On va faire un tout petit zoom. Hier, j'ai mis l'huile. Mais j'en ai peut-être mis un peu trop, ce qui fait que je me suis réveillée, ça faisait ma frange, ça faisait vraiment trop gras, donc je l'ai lavé. Et là, j'en ai remis très peu, mais c'est quand même, ça laisse un petit fini un peu brillant. Donc il faut en mettre très très peu, et je pense que le mieux, ça sera de badigeonner un max, d'en mettre pas mal, la veille d'un lavage de cheveux. Et de temps en temps, en mettre, mais alors très peu, et vraiment au bout, au bout, au bout. J'ai hors du taf, hein, parce qu'il faut que je les mette vraiment à plat et tout pour la déchetterie. Mais c'est une bonne chose de faite quand même. Il est 14h passé, je viens de recevoir le SMS de la poste me signalant que je pouvais venir pour payer le passage de ce matin. Attendez, là je viens d'avoir un flash dans le retour caméra. Vous ne voudrez pas qu'on dirait ma tête, ma coiffure, mes oreilles, tout. Hobbit ou les elfes. Sinon, nous sommes mercredi et qu'est-ce qui se passe le mercredi? Eh bien, Eric ne travaille pas. Donc, tout à l'heure, au moment du café, on s'est dit qu'on allait faire un petit truc. Il va venir avec moi, la poste. Et après, parce que j'ai encore mon idée, je n'ai pas lâché le fameux vélo d'appartement. J'avais été faire un petit repérage Décathlon. Et je m'étais dit, avant de me décider, va voir un petit peu ce que propose Intersport. Donc, je pense qu'on va y aller. On va faire deux, trois petites choses. Et puis après, je traîne pas parce que forcément, j'ai du taf pour changer. Et notamment le montage de ce vlog, parce que on ne se rend pas compte, mais trois vlogs semaine, c'est du taf. On se rend pas compte. Après, je fais pas que ça, c'est ça le truc, c'est que je fais pas que du montage. J'ai aussi la boxe. Et là, on était particulièrement dans ma semaine, mes 10 jours de prod à fond. Ça joue aussi, c'est sûr. Je crois que le délinquant s'est calmé. Ah ben non, je voulais pas te réveiller. Fais dodo, son bébé. Ah, développé couché. Voilà. Ah, c'est trop dur, je me couche. Je suis vraiment tenue tranquille maison. Je vais quand même enlever ça. Et puis, oh là là, mes baskets. Quand j'étais à Chartres, je suis allée, alors chez Pouillon, on va dire chez Courir ou quoi. Et j'ai pas trouvé la nouvelle paire de gazelles orange et jaune. Mais je sais qu'elle existe. Ah voilà. Ouais, c'est ce modèle-ci. Alors après, j'aimerais quand même les voir en vrai et puis les essayer. Mais j'aime bien. Côté pop, ça me plaît pas mal. Eric, on y va? Oui. Allez. C'est une blague. C'est fermé un mercredi. Pourtant, il y a de la lumière. Ouais, bah, ils font peut-être un inventaire de rentrée. Ouais, mec, ça fait fermé, comment ? Ça fait fermé, effectivement, mais c'est ouvert. Attends, j'ai fait faire demi-tour. C'est quoi ? C'est un vélo. Allez. Si, il y en a un, effectivement. Oh, mais il a l'air d'être de course, celui-là. 199, il est un peu moins cher. C'est bizarre, non ? Quoi ? Je sais pas. D'accord. Le look ? Ah, le look. C'est étonnant. Par contre, que ce soit ce modèle ou l'autre, il faudra que j'ai une selle que je mette en plus en silicone, hein, parce que ah bon, je vais souffrir. Bah, c'est trop raide, ça. C'est non, je te dis non tout de suite. D'accord. Il n'y a pas, bien. Tu sais, déjà pour mettre mon téléphone, là, pour regarder mes vidéos pendant que je pédale. Non, bah tu vois, je préfère celui de Décathlon. D'accord. Sans problème. Ouais. Mais presque, presque. C'est inversé, mais il n'y a pas. Je sais pas, je sais pas. Ce ne sont pas les gazelles. Et non. Non, non. C'est une quoi? Adidas. C'est une courbe. Bon. Ah, c'est pour ça. Pendant qu'on est là, je vais voir vite fait quand même. Des fois, ils ont des trucs sympas au niveau des fringues. On va se faire une petite pause goûter. Je pense qu'on va manger sur place. Joli, une petite tarte aux figues. Tu sais ce que tu prends ? Oui. Ah, moi aussi. À ton avis, si tu me connais. Regarde bien tout ce qu'il y a là-bas. Calmer ici. Oh, bravo. C'est ça, calmer. Ça existe vraiment ? Éclair géant au chocolat. Éclair normal. Géant. Merci. Merci quoi ? Pour le... Ah, pour le petit goûter ? Bon, c'est la pause. C'est très agréable. Est-ce qu'il y a du monde ? Et non, j'ai encore privatisé. C'est beau. Tiens, on va se mettre dans un petit box. Ah ouais, non, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais, c'est sympa ça, tu viens. Bah, bien sûr, c'est sympa. Il y avait une petite prise de courant, t'as vu, pour ouais, recharger ton appareil. La dernière fois, je suis venue là, il y avait quelqu'un qui bossait avec son petit ordi. Ah ouais, il est bien ton raisin. Non, moi non plus. J'avais envie d'aller le prendre. Ah, mais non, là, ça va être juste ça.
Ça sera ce week-end. D'ailleurs, demain, il va se passer plein de trucs. Donc du coup, ça sera dans le vlog de vendredi. Demain pour moi et après-demain. Donc, vous verrez tout en fait, vendredi. Spoiler, ne loupez pas. Mais je suis un petit peu comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je me suis découvert une passion avec le cannelé. Un karma perche qui... Et Eric me disait, c'est fait avec quoi? Et donc j'ai regardé, parce que précisément, je ne savais pas trop. Mais en fait, c'est les mêmes ingrédients qu'une crêpe. Hein. Le truc, c'est que c'est bien prononcé avec le rhum. Et ils te disent, parce que là, il n'est pas croustillant comme je les aime. Et pour avoir le croustillant, ils disent qu'on peut les mettre au four, là, à 220. Pour le retrouver, je vais tester à la maison, je pense. J'arrête maintenant ce vlog. Et je vous dis à vendredi pour la suite des aventures. Voilà, allez, ciao. À plus.